la mère. La mère. Nous ne sommes plus très jeunes. Nous ne sommes plus très belles. Nous sommes franchement laides. Alors nous avons le droit au soleil. Nous avons trouvé une pension de famille. Sans tracas, sans soucis. Tout confort. Les marchands. Des voyous. Les pharmaciens. Des voyous. Les médecins. Des voyous. Même les agents de police. Nous sommes cernés par les voyous. Alors, nous ne sortons jamais. Jamais. Nous sommes cernés et nous avons peur. Nous avons peur. Nous avons peur. Et puis, il y a des éléphants. Il sortit et derrière la tenture de velours de gêne, la malheureuse Georgette éclata en sanglots. La malheureuse Georgette ! Louise ! La malheureuse Georgette éclata en sanglots. Vous entendez ? Vieille bique ! Louise ! Oh, c'était une très belle histoire. Vous dormiez ? Oh, mais je vous assure que non. Vous n'avez pas écouté ? Oh, si, avec toute l'attention du monde. Oh, mais c'était très bien, très très bien. Mais j'ai répété trois fois la dernière phrase, vous n'avez pas bougé. Eh bien, c'était parce que la dernière phrase était particulièrement belle. Vous vous êtes traité de vieille pique. Vous n'auriez pas dû. Vous ne pensez qu'à roupiller, momie ! Fais-toi, tranquille. On marche les colombes. Entre les pins palpite. Entre les tombes. Alors, mes colombes, on palpite si fort dès le matin que vos éclats traversent les cloisons et parviennent jusqu'au cubicule où nous sommes censés reposer. Déjà sur le sentier de la guerre. À la peinture qui orne votre visage, je devine que vous êtes prête à nous y rejoindre. Ma petite, pour nous, le maquillage est une seconde nature. Un vêtement. Un vêtement ? Eh bien, vous ne risquez pas de prendre froid. Vous vous croyez toujours au Grand Théâtre National ? Au Grand Théâtre National ? Non, pas avec vous. Même complètement gâteuse. Avec vous, ce serait plutôt le Grand Guignol. Alors, Ada, encore une lecture qui finit mal. Je ne veux plus entendre parler lecture, loupe, livre, journal. Si je peux rendre service et distraire, je le fais. Si j'importune, je me tais. Et j'en ai rien à foutre. À la bonne heure. Vous feriez mieux d'aller chercher le courrier. Je n'attends rien, allez-y vous-même. Je n'attends rien non plus. Mais moi j'y vais. Elle espère encore. Il paraît que ses enfants vont lui écrire. Ses enfants ? Compte là-dessus. Puisqu'on vous le dit. Mais moi aussi, je peux m'adresser des lettres et prétendre que ce sont mes enfants. Vous n'en avez pas. Mais j'aurais pu m'en inventer. Vous, oui. Pas Louise. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle a de plus, Louise, hein? La fausse bonhomie, on me la fait pas, moi. Surtout les paysans. Tiens, au Tonkin. Vous n'êtes plus au Tonkin. Oh non, ma petite, vous êtes sur la côte du soleil pendant la mousson. Bravo! Louise, avec ses airs de Sainte-Nitouche, essaie de semer la zizanie. Et vous, vous donnez dans le panneau, tête baissée. Mais c'est vous qui tombez dans le panneau. Moi, ben vous me faites marrer, tiens. Oh, mais faites, les occasions sont rares. Vous avez couru? Vous avez une lettre? Non. Il y a une nouvelle pensionnaire qui arrive. Une nouvelle pensionnaire? Ben, dans l'escalier, là, juste derrière moi. On dirait qu'elle hésite. Elle fera mieux de repartir. Qui est-ce? Qui est-ce? Chut! Qui est là? Entrez! Bonjour, je m'appelle Chloé. Vous avez voyagé de nuit? Oui. Le voyage est très long jusqu'ici. Très fatigant. Il y a des arrêts interminables dans des petites gares dont on ne voit même pas le nom. 100 fois, j'ai peur de rater la bonne. Il n'y a pas de souci à se faire, c'est le terminus. Bonjour, je suis... Ludivine Petitfar.
Mon Dieu, vous êtes Ludivine Putifar. Non. Non? Excusez-moi, je suis confuse. La ressemblance? Non, je ne suis pas Ludivine Putifar. Enfin, je ne suis plus. Terminé, j'ai raccroché. Voyez-vous, c'était un nom de guerre. Aujourd'hui, je vis en paix. J'ai repris celui que l'on m'a donné le jour de mon baptême. Jeanne Dubois. Oh, je le savais bien. Ludivine Putifar. Quelle aventure. Excusez-moi, mesdames, je dois vous paraître un peu bête, mais imaginez. Au contraire, votre émotion me touche beaucoup. Seulement, désormais, appelez-moi Jeanne, comme tout le monde. Plus personne ne l'appelle Jeanne, et en plus, elle n'aimerait pas. Bonjour, Fernande. Je suis Ada. Soyez la bienvenue. Et ne vous tracassez pas, nous avons eu toutes la même réaction en découvrant ici notre gloire nationale. Ah, toutes sauf Louise. Oh, Louise est l'élément rural de notre groupe, notre air des cimes. Elle vivait isolée au sommet d'un piton rocheux où ne parvenait nul autre son que ceux de la brise parfumée et du tintinabulement des clochettes à vaches. J'habitais un petit village au fond d'une vallée où nous avions autre chose à faire. Mais je m'emploie à lui faire rattraper son retard culturel. À propos, aimez-vous la lecture? Oui. Nous pourrons certainement nous entendre. Prenez garde aux voyous. Oh oui, prenez garde aux voyous. Où y a-t-il les voyous? Partout. Nous sommes cernés par les voyous. Regardez. Ce ne sont pas des passants ordinaires. Des voyous. Tous! Ils attendent, ils guettent comme des oiseaux de proie. Et vous n'avez pas peur de sortir? Vous voulez dire que vous ne sortez jamais de cette pièce? Incroyable. Eh bien moi, j'irai voir la mère. Bonne nuit. J'aime bien venir ici le soir, on y est tranquille. Vous avez une jolie robe de chambre. Elle est toute simple. Vous portez un pyjama. Je retourne dans ma chambre. Votre chambre vous plaît? Elle est convenable. Nous avons tout notre petit jardin secret. Vous-même, un petit quelque chose à cacher? Non, vous avez raison. Je ne suis pas curieuse et puis je trouverai, je suis perspicace. Alors, mes petites, on veille? Vous vous déguisez toujours ainsi pour dormir? En ses bras apaisants, Morphée n'a pas encore daigné vous emporter. C'est à cause du lit. C'est à cause du bruit. Eh bien, moi, ce sont vos conciliabules qui m'empêchent de dormir. Vous nous entendiez depuis votre chambre? Mes sens ont toujours été très aiguisés. Votre curiosité aussi. Agrippine écoute aux portes, pas Phèdre. Bon, mais moi je vais me coucher, les classiques m'endorment. Confiez-moi votre secret. Je n'ai aucun secret. Je vous promets que personne n'en saura rien. Je vous préviens, si je le découvre seul, je n'aurai aucune des obligations qu'il y ait une confidence. Et je dois vous dire que malheureusement, je m'en doute déjà. Ludivine. Oui, je vous écoute. Je n'ai pas de secret. Fichez-moi la paix, aidez-moi, oui, plutôt. La poussière ne me gêne pas, parce que je l'enlève. Oh, ça vous va très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je balaye, moi? Est-ce que la tragédienne balaye? Ce n'est pas notre emploi. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Demandez-lui donc. Elle aura les mots justes pour répondre. La tragédienne vous répond merde. Mesdames, il fait beau. Il fait chaud. Je sors. L'une d'entre vous veut-elle m'accompagner? Mais vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, c'est dangereux. Il fait soleil et comme promis, je vais voir la mère. Mais vous ne ferez pas trois pas. Vous serez massacrés. Mis en pièces. Pour une fois, elles ont raison. Je n'ai pas peur. Je vais aller voir la mère. Mais vous en mourrez toutes d'envie. Allons, secouez-vous un peu. Au revoir, à tout à l'heure. Elles descendent. Elles sont presque en bas. Elles sont dans la rue. Oh. Elles traversent. Vous avez vu les voyous? Ils les laissent passer.
et elle marche, et elle parle, et elle rit, comme si de rien n'était. Elles ont tourné le coin. Et il ne se passe rien. Rien. Sont peut-être plus pour nous. J'ai honte. Un jour, il arrivera un malheur. Oh, mes amis, c'est affreux. Et voilà. Oh là là, vous étiez nombreux. Vous ont dérobé quelque chose? Ils vous ont battu. Un voyou, mes amis. J'ai été agressée par un voyou. Dévalisé, mes bagues. Oh, mon Dieu. Mais où cela s'est-il passé? Vous n'allez pas me croire, dans l'autobus. Dans l'autobus. Elle a pris l'autobus, mais vous les avez toutes rendues folles. Nous avons beaucoup de choses en commun, vous et moi. Vous et moi. Le théâtre, par exemple. Où vous êtes-vous produite? Pardon? Il n'y a pas 36 solutions. En Valkyrie, en Libellule, en tutu ou en robe espagnole? Votre genre, c'était le burlesque, non? Je ne vous imagine pas en vos repas été. Mon Dieu. Comme je vous le disais, il n'y a pas 36 solutions. Les gens comme vous doivent bien gagner leur vie. Il n'y a aucun mal à cela. Je dois même vous avouer que ce genre de spectacle m'amuse beaucoup. J'ai une quantité d'amis homosexuels. Foutez le camp. Foutez le camp! Ne vous mettez pas dans des états pareils. Personne ne peut vous comprendre aussi bien que moi. Mais qu'est-ce que vous comprenez, espèce d'épouvantail? Qu'est-ce que vous croyez savoir? Vous qui n'arrivez même plus à être Jeanne Dubois. Fernand. Ne me touchez pas! Vous me dégoûtez. Mais regardez-vous. Vous êtes un monstre hybride, une chimère. La tête de Phèdre, les mains d'Électre, un bout de Bérénice par-ci, un bout d'une autre par-là. Et vous vous permettez d'imaginer de quoi peuvent être faits les autres? Vous n'êtes plus rien d'authentique. Vous n'existez plus. Elles vous ont bouffé. Je ne voulais pas vous blesser. Vous vouliez connaître mon secret? Eh bien, je vais vous la raconter, l'histoire de Fernande.